Détails sur sage.fr. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h30, juste après les infos, on va écouter Sam Smith et nous allons parler de ce que nos parents savent sur nous, mais que les autres ne savent pas. Ok. Ah, ok, on va balancer. Voilà, je fais bien l'avion, regardez. Non, pardon. Les infos. Actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, avant l'arrivée de nombreux nuages demain, puis d'un passage pluvieux samedi, c'est encore le plus souvent le soleil qui va l'emporter ce jeudi sur Monaco, Menton et toute la Côte d'Azur. Le thermomètre va se maintenir vers 17 degrés max, toujours 10-11 le plus souvent actuellement. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau, Port de Plaisance, Cap d'Aille. Mieux vaut ne pas être pressé, c'est bien chargé actuellement vers Monaco, que vous arriviez de Roquebrune, de l'A8 et la 500, Cap d'Aille ou encore Beausoleil, vous vous retrouvez coincé à un moment ou l'autre. Dans le pire des cas, vous roulez au pas pendant une vingtaine de minutes après le tunnel de Monaco, bon courage. Notez également qu'il y a un véhicule en panne sur l'A8 sur les hauteurs de Beausoleil, soyez vigilants en arrivant sur le secteur, serré à gauche vers le kilomètre 209. Une journée d'information et de recrutement sur les métiers de la police nationale hier, c'était au bureau d'information. Formation jeunesse de Menton, Lucas, DJ sur la Côte d'Azur, espère une reconversion. Ça fait déjà un peu moins d'un an que j'ai réfléchi, que je voulais faire ça, on va dire, en plus. Je veux aussi me rediriger vers un métier qui est un contact humain. Être sur le terrain de l'action, ce que je voulais aussi, bon, pour plusieurs aspects, il y a la sécurité de l'emploi, il y a la discipline, je pense que ça peut être bon pour soi. La gendarmerie, surtout parce que je voulais faire ça, surtout par rapport à l'aspect militaire. C'est bien d'avoir une formation militaire, je pense que c'est très très bon pour soi-même, les valeurs militaires. Voilà. Et la police recrute donc actuellement. Il y a des milliers de postes à pourvoir avec ou sans un diplôme. Vous avez toutes les infos sur lapolicenationalerecrute.fr. Au moins 1153 signalements, mais le bilan serait largement sous-évalué selon Aujourd'hui en France ce matin. Depuis 8 mois, les médecins, les hôpitaux sont obligés de déclarer les événements graves liés notamment aux erreurs médicales. Ça va du surdosage de médicaments au non-respect des procédures en passant par le patient opéré de la hanche droite au lieu de la gauche. Un festival, victoire 7 buts à du PSG hier en Ligue des Champions. Paris a littéralement atomisé les Écossais du Celtic Glasgow au Parc des Princes pour l'avant-dernier match de poule. Neymar et Cavani, les deux stars de la soirée, ont mis un doublé. Rendez-vous maintenant dans deux semaines pour la finale du groupe sur le terrain du Bayern Munich. L'Europa League au menu ce soir avec Nice, mais aussi Marseille et Lyon engagés. Pink, la tête en bas. À voir dans la vidéo de son dernier live réalisé aux American Music Awards ce week-end à Los Angeles. Des millions de vues sur internet pour cette prestation hallucinante. La chanteuse interprète le single Beautiful Trauma, suspendu dans le vide à des dizaines de mètres de hauteur. Pink vient également dévoiler le clip officiel du morceau avec l'acteur Channing Tatum en guest star. On a hâte de voir maintenant ce qu'elle nous prépare pour sa venue au Energy Music Tour de Paris le 5 décembre. Voilà pour votre actu. Bon début de journée à vous. On est le 23 novembre. Bonjour jeudi. Bonjour jeudi. On va écouter Sam Smith dans deux minutes. Il y aura aussi le dernier soprano pour vous. Les moins du matin sont là. Il y a tout le monde. Il y a Laure. Hello tout le monde. Il y a Paulette. Coucou. Il y a Nicolas Webb. Et bonjour. Et bonjour à vous. Il y a Glandu aussi. Salut. 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 Il est là, Glandu. Il est bien. Il est tranquille. Il est au bar. Évidemment. Bonsoir. Glandu, c'est le bon pote au bar. C'est un peu le mec. Tu rentres dans le bar où t'as l'habitude d'aller, tu sais qu'il y aura Glandu. Ouais, je suis c'est sûr. Et là, il fait salut. Avec les cacahuètes. Il y a plein d'écorces de cacahuètes à mes pieds et tout. Je mange, je suis bien. Fais-toi plaisir. On va écouter Sam Smith dans deux minutes. Juste après, il y aura les sondages du matin, comme chaque jour, à 8h40. Écoutez bien, 80% des gens pensent être les meilleurs à ce jeu de société. De quel jeu il s'agit? La réponse, ce sera juste après Sam Smith. Avant ça, nous allons parler du magazine Biba. Ah. Eh oui, il m'arrive de lire Biba. Paulette. C'est un de mes magazines préférés. C'est vrai? Oh bah ouais, on trouve tout dedans.
Toutes les tendances, toutes, on est en avance toujours grâce à Biba. Bah écoute, très bien. Tu veux qu'ils écoutent et qu'ils t'envoient un Biba gratuit, c'est ça? C'est ça, ouais. Ça se voit, hein. J'aime bien. Non, t'es pas too much. On trouve tout dans Biba. Je veux dire un truc. Tout ce que j'ai rêvé dans ma vie, c'est dans Biba. Si je pouvais. Si Biba pouvait être ma mère. J'aimerais tellement. Bon, voilà, j'ai juste lu un truc, hein, dans Biba. Ils ont posé cette question. En fait, c'est compléter cette phrase. Ça, il n'y a que mes parents qui le savent. Ah. Écoutez quelques-unes des réponses. Mes parents sont les seuls à savoir qu'à 10 ans, j'avais créé dans ma chambre un hôtel au plus beau garçon de ma classe avec des cheveux à lui et même un bout d'ongle. Oh, wow. C'est trop mignon. Bah, à 10 ans, c'est mignon, à 30 ans, c'est inquiétant. Ouais. Il n'y a que mes parents qui savent que jusqu'en 3e, je croyais qu'un accouchement par le siège voulait dire accoucher par les fesses. Oh, c'est mignon. Un accouchement par le siège, c'est quand le bébé sort. Se présente par, ouais, les jambes. Exactement, alors que normalement c'est la tête qui sort en exactement. Premier. Et on n'accouche pas par les fesses. Non. Bah non. Ou alors c'est vraiment qu'il y a eu un vrai gros problème. Non. Il n'y a que mes parents qui savent que petite, je ne pouvais pas manger un petit nounours sans le prévenir avant et le rassurer. Oh. Je lui disais, pardon petit nounours, je vais te manger, je vais commencer par tes oreilles, ne t'inquiète pas. Mmh. Et je passais aux bras et aux jambes avant de l'engloutir complètement. Oh. Le petit nounours en chocolat. Ah ouais, c'est mignon. Par quoi vous commencez le petit nounours en chocolat? Ah, je mange direct, moi, tout d'un coup. Ok, d'accord, la gobeuse. Glandu. Moi je commence pas, j'aime pas trop ça. Ah, t'as pas les noms sur chocolat? Guimauve là, non, j'aime pas. Moi j'arrache la tête. Ah ouais, ouais. Je me sens coupable, mais en même temps je trouve ça délire. C'est assez bizarre. Moi je le râpe, c'est-à-dire je râpe le chocolat avec les dents, et après il y a la guimauve. J'aime bien manger en deux temps. Mais tu le fais souffrir, tu lui arraches la peau. Oui, mais c'est pas un vrai, Manu, du coup. Bah c'est pas un vrai quand même. Ça s'appelle un nounours, hein. Moi je suis propre, tu claques. Qu'est-ce que vos parents savent que les autres ne savent pas? On va continuer, c'est une bonne question. 0 870 42 48, vous pouvez nous appeler. Laure? Il y a que mes parents qui savent que je peux pas aller chez le docteur toute seule. Ah bon? Ouais, ouais, j'ai peur. Mais tout le temps? Bah encore aujourd'hui. J'y vais avec ma mère. Non. Ouais, je te jure. Oh, non, mais bon, ouais. Voilà, mais t'as peur de quoi? J'ai peur qu'il me trouve une maladie et que je sois toute seule. Oh là. Et si tu le médecin vient chez toi? Ah mais il faut pas que je sois toute seule. C'est impossible. Oh là là. Je vois avec ma mère ou avec mon père. Oh merde. Mais du coup tu connais pas ce bonheur de lire les magazines dans les salles d'attente des médecins, quoi? Bah je le lis à côté de ma maman. Ah oui, d'accord, ok. Bon. Oh là là, et sa mère, elle doit tellement craquer, quoi. Ah ouais. Oh ah oui, ah ouais. Je te jure, je crois qu'elle s'est habituée, en fait, pour elle, c'est tout à fait normal. Ah oui, bah pour elle, oui. Ouais. Bah, globalement, vous êtes deux dans le monde. Ok. Qu'est-ce que vos parents savent sur vous, mais que les autres ne savent pas? 0 870 42 48, vous pouvez nous appeler. C'est Sam Smith tout de suite. Bon réveil. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool.